Vous voyez cette tête? Est-ce que vous voyez cette tête? Mais moi, je connais mon chien et je sais ce que c'est cette tête. Cette tête, c'est quand il s'apprête à commettre une vague de meurtre. Oui, parce qu'en fait, là, je l'amène à un endroit où il y a plein de lapins le soir. Voilà, il y a des petits lapins comme ça qui se baladent. Et en fait, Maximus, chaque fois qu'on va là-bas, eh ben, il finit par en attraper un, deux, trois. Et il le déboîte parce qu'il a 670 kg de pression par centimètre carré de mâchoire. Donc, ça finit véritablement par un massacre. Bon. Alors, peut-être que parmi les lapins que Maximus va aller terroriser ce soir, et je choisis bien mes mots. Donc, je disais parmi les lapinous que Maximus va aller terroriser ce soir, peut-être qu'il y a un lapinou qui a fait un tutoriel vidéo pour expliquer aux autres lapins comment se défendre par rapport aux gros chiens, comme ça, qui ont 670 kg de pression dans la mâchoire. Voilà. Et certainement qu'il y a d'autres lapinous qui n'ont pas aimé ça et qui ont censuré le tutoriel du lapinou conscient qui avait dit aux autres lapinous, attention, ça fait mal. Voilà. Donc, ce soir, ben, cette bande de keuks de lapinous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir dehors, ils vont brouter leur herbe d'herbivore keuk. Et il y a un énorme clébard sélectionné par 4000 ans de violence qui va leur tomber dessus. Voilà. Et en fait, ben, c'est bien parce que les lapinous, ils n'auront pas cédé aux sirènes de l'alarmisme et des conseils fascisants, mais ils vont finir en civet. Voilà. Et finalement, en fait, c'est pas plus mal parce que je me dis, c'est la vie. Ouais, donc je disais finalement, les lapinous qui voulaient pas croire le lapin qui leur a dit que c'était dangereux les gros chiens de 60 kilos, eh ben lui il va survivre. Et les autres qui le croyaient pas, ben, ils vont se faire éclater. Et en fait, peut-être que, donc, comme je disais, peut-être que ça finalement c'est au service des lapinous parce que ben, les éléments incrédules et fragiles, ben, ils se font déboîter. Et ceux qui méritent de survivre parce que ben, ils ont un instinct de survie aiguisé, ben, ils survivent et ils renforcent la descendance et la race des petits lapinous. Donc finalement, en fait, c'est peut-être au service du sens, enfin, au service, c'est au service du groupe que ben, l'ensemble des lapinous qui n'ont pas aimé l'idéo du lapinou qui expliquait que les gros chiens c'est dangereux, ben, que ces lapinous-là se fassent éclater finalement, ben, je pense que c'est le sens de la vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je crois en Dieu, je crois que la vie est très.